Salut! Et donc c'est parti, on continue le scénario de Sion. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas continué. Et en plus, j'ai acheté des pommes. Donc vous vous rappelez qu'on avait fini le deuxième combat. Et donc, entre le deuxième et le troisième, il faut qu'il se passe un jour, c'est pour ça qu'on va aller. Tout d'abord à Danelf pour prendre le bateau. Donc si vous vous rappelez plus du scénario de Sion, ben regardez les anciennes vidéos, c'est justement pour ça que je mets à chaque fois, si je mets en fait à chaque fois le nom du perso avec un chiffre, c'est pour dire quel jour j'ai fait avec quel perso quoi dans la vidéo. Donc ça sert à ça, vous prenez le truc où c'est marqué Sion 3 ou 2. Ouais 3. Et vous devriez le trouver. Donc on va d'abord se reposer à l'auberge. Il y a des bars partout ici, c'est la ville des alcoolos quoi. Inn, voilà. Donc c'est parti. Ah merde. C'est vrai qu'il y a toujours un bar en dessous de l'auberge quoi. Alors voilà. Mais en fait là je sauvegarde sur l'autre. Au cas où ma vidéo serait loupée, de toute façon elle sera pas loupée si vous la voyez. Et comme ça au cas où elle est loupée, j'aurais pas écrasé mon ancienne sauvegarde quoi. Et donc je vais faire là. Allez voilà, prendre le bateau. Putain, je sais que j'ai pas de mémoire mais là j'abuse. On va donc prendre le bateau. Ah oui. Baron Pros. Ok, embarqué. Voilà. Et donc, Baron Pros. La nuit passe. Donc moi je suis complètement paumé, je me rappelle même plus où on s'est arrêté. Et bon apparemment faut trouver le marchand Nurk. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller un peu partout. On finira bien par tomber dessus. Je pense pas que ce soit un marchand de magasin. Non. Il doit avoir une gueule particulière je pense. Alors, le marchand en Nurk. Le truc c'est que j'ai aucune idée d'où il est en fait. Ok, bah vu la taille de la ville, ça va pas être dur. Forcément quelque part par là. Il n'est pas dans l'auberge. Une pomme, ça me rapproche la mémoire. Merde. Génial, on s'en fout. Je suis paumé. Ah oui, c'est là.
Peut-être que là, parce que je viens de voir. Je viens de voir Tur. Ah non, c'est pas Tur. Attends, c'est Nurk. Ah, c'est marrant, ses amis ressemblent à Tur. Et là, comme par hasard, on rencontre en même temps machin. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit exactement la même scène qu'avec le scénario de Silent. Ils se croisent à chaque fois, mais ils se parlent jamais, quoi. Voilà, c'est ruine de Fall où il y avait le, les gosses qui étaient kidnappés. Voilà. Voilà, maintenant qu'il nous a informés, pas enfermés, il faut donc. Allez aux ruines de machin, on va y aller. Putain, il était pas là dans ce truc. En fait, Tur, c'est un des persos les plus puissants. Car non seulement il a beaucoup de magie, en plus il a une attaque assez puissante quand même, vu que c'est un géant. Et donc aussi beaucoup de vie, donc un perso important quoi. Obtenu épine. Ah j'ai déjà. Cristal, ok. Elle fait mal cette conne. 59, tiens. Maintenant on va aller à montagne, il faut donc monter au sommet pour retrouver les ruines. Oula. Eh mais c'est de la merde. Putain c'est tôt. Enfin, quand je pense avec Risa tout ce que je me résume. Ah est-ce qu'il y a un truc par là? Ouais. Je connais pas la route hein. Enfin, je me rappelle pas. De toute façon c'est pas un lieu très important. Donc. Kenji. Ah c'est ça que je vais faire avec ma Kenji. Putain j'ai que ça. Ah ouais, je vais dire. Aucune truc. Ah voilà, Naruto, ouais. Ça, je me rappelle ça. Ah oui, avec Jin, oh putain. Ça, je me rappelle, ça avait fait très mal. Je sais même plus si je l'avais essayé, Hideo et Kojima en fait. Hop.
Tiens, en parlant de vidéo et de Kojima, je suis en train de regarder en ce moment le... Oui, j'ai mis du temps à regarder, mais... à commencer à regarder. Je suis en train de regarder justement le Oxo de Metal Gear, de Metal Gear Solid de Golden Sugar. Si vous l'avez pas encore vu, allez le voir. Et il y a celui de Dan Lynx aussi, qui fait le 2. Donc voilà, allez le voir celui-là. Puis si vous avez pas envie, bah, mangez des pommes. Ouais. 5 fruits et légumes par jour. Alors. Je vous dis, je vais un peu au pif. Mais apparemment, je vais à la bonne route sans faire exprès. Ouais, je remets le feu de faire refuna. Bon, t'as plus. C'est le chien de Pâques. Ils ont trop des oreilles en forme d'œuf de Pâques, les chats. J'ai fini de manger, je vais arrêter de faire de bruit maintenant. Plus que 3 fruits et légumes, c'est bon. Quand même, c'est un peu des tarés les gens qui font 5 fruits et légumes par jour. Hein. C'est impossible de bouffer 5 fruits et légumes par jour. Quoi. Enfin, après, ça dépend, hein, si tu bouffes 5 groseilles, voilà quoi. Mais tu vas pas bouffer 5 potirons quoi. Ça veut rien dire leur truc. Puis 5 fruits en entier ou 5 fruits. Enfin, je sais pas moi. Voilà. On remonte. Voilà au sommet, ruine de Tula. Et là vous reconnaissez Dune Kid. Les deux voleurs qui nous ont volé deux réceptacles, le Saint Graal et l'habit de machin là. Enfin qu'ils avaient volé à Salent en fait. C'est en fait un jade, hein, vous avez compris. Et tac, surprise, Dune à un jade. Donc voilà. Bon, j'ai plus rien à vous cacher maintenant. C'était lui le quatrième perso qui se prend le jade en fait. Donc le quatrième scénario c'est Dune en fait. Ça sert plus à rien de vous le cacher, hein. C'est facilement devinable. Et voilà, et les deux jades entrent en... en réaction quoi. Ils le font à la loquée, ça, chasseur de trésors les voleurs. Comment ils escaladent les murs. Ils spawnent pour une soft persuade ça. On va chercher Ramirez qui est là. Ramirez, pardon, pas Ramirez. Tu connais la statue. Thank you.
Voilà. Donc voilà, après on va le mettre là. Hop. Voilà, c'est comme animaux en fait, mordu. Voilà. Et on va, je pense qu'à la prochaine vidéo, on va faire le troisième défi de la tour des bras. Alors, je crois qu'il y a un bouton. Donc voilà, en compagnie d'un quatrième compagnon. Qui lui est un sage, donc puissant en magie. Je sais pas quoi, bah, vous voyez, encore à corps, c'est une grosse merde. Et puis merde, on va pas se gêner. Enfin, toujours aussi efficace. En plus, 11 PM, quoi, c'est rien. Pas cher, puissant. Et donc je pense qu'on va se retrouver à la prochaine vidéo en bas de la tour. Enfin, sauf si là j'ai le temps de la descendre entièrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est fermé. Okay. Donc voilà. Bon, ça je vais le traverser hein, et on se retrouvera en bas pour la prochaine vidéo. Et en route ensuite pour le troisième défi de la tour des Braves. Troisième et dernier défi. Voilà, allez hop, à la prochaine.